Et nous excusez-nous auprès de tout le monde parce que nous avons un petit problème. Et malheureusement, au pas de cap, ouais, imagio, m'te frise. Nous sommes obligés de reconnecter. Nous faisons l'autre arrangement. Cependant, ou même ouais, nous c'est nos pas de cap. Ou t'étendez, mon pas de mais malheureusement, pas de jambes qu'on moi-même, c'est moi. Pas qu'on est malheureusement, si nous t'étendez, pour moi, nous pas t'étendez. Voilà pourquoi je suis obligé, mes chers amis, de couper une transmission. Je suis vraiment désolé. vraiment désolé pour ça qui passe là. Bon, c'est la technologie. Pas de choix, c'est la technologie. Ça arrive. Donc, nous recommençons pour la plus belle. On attend quelques autres bien-aimés qui sont capables de monter ensemble avec nous. Capables de monter à bord pour nous capables de continuer. Donc, nous vraiment regrettons ça. Ça qui passe là. C'est ça la technologie. Montez son laptop là. Laptop là, t'as freeze dans elle non. Non, mais non. Donc, nous obligés d'utiliser un autre moyen pour nous continuer. Alors, nous t'as parlé de qui ça hein? Qui est-ce dans la carabine côté de dérivé? Exactement, nous dans Matthieu 19, verset 27-28. Nous avons montré que des hommes qui sont dans le service de Dieu, qui savent bien comme position, qui savent bien comme pouvoir, qui savent bien comme direction lorsque Christ va retourner sur la terre. Mais ce n'est pas lorsqu'il y a le ciel. Parce que Jean 14, c'est 1 à 3. Il n'y a aucun rapport avec la question de mon qui va dans le ciel, avec la question de Jésus qui est dans le ciel, la bâtisse qui est dans le ciel. Ça n'a aucun rapport. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Nous avons montré que ça n'a aucun rapport avec la quantité de monde qui est déjà dans le ciel. Ça, c'est bluff, mais ça, ça n'a pas inspiré au pas de Dieu. C'est un autre bagage Jésus te voulait exprimer. Il te voulait dire, a bien plus de responsabilité, a bien poste, a bien fonction, n'a bien l'autorité pour nous diriger dans le royaume de Dieu. Nous te prenons plusieurs exemples. Nous prenons Apocalypse 5, verset 9-10, pour nous montrer que dans le royaume de Dieu, des hommes que bon Dieu choisit de tout peuple, de toute langue, de toute nation, il y aura des sacrificateurs pour Dieu. Hein, bon Dieu fait nous un royaume. Il fait de tout le monde un royaume. C'est-à-dire, depuis qu'il y a un royaume, il y a des rois. Nous parlons de roi, mon Dieu. Jésus-Christ a des rois, mais il y a des rois. Il y a des gens qui vous disent pas, c'est roi, mais c'est roi. Jésus fait de un royaume. Il fait tout le monde des sacrificateurs. C'est-à-dire, ils seront des sacrificateurs dans le royaume de Dieu. Nous prenons l'autre texte. Nous prenons Matthieu 19, verset 27 à 28. Côté Pierre dit Jésus, nous quittons toute bagaille et nous suivons. Qui ça nous-mêmes nous joignons ensuite? Ah ben Jésus dit, en vérité, dis-nous ça. Lorsque le Fils de l'homme va retourner dans sa gloire, lorsque petit bon Dieu va chita sous trône, lorsque le bras régner en tant que roi des rois sur toute la terre, nous-mêmes qui te suivons, nous-mêmes qui te quittons toute bagaille, maman, papa, frère, seul, Job, Kai, toute bagaille nous quitter, ça n'a pas joint, et bien nous même tout n'a pas chita sur 12 trônes, et n'a pas pour juger les 12 tribus d'Israël. Donc, mes chers amis, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon père, ça n'a pas voulu dire Kai, papa, bien plus Kai, non, ça veut dire au contraire, nous aurons l'autorité de diriger, nous aurons la fonction de gouverner avec Jésus, nous aurons un poste de responsabilité avec Jésus, nous avons bien rang par nous, nous avons bien place par nous dans le royaume. Chaque monde a place par nous, Abraham n'a pas par nous, Jacob n'a pas par nous, Isaac n'a pas par nous, Jean, Jacques, Pierre, Philippe, Barthélemy, Matthieu, chaque monde a rang par nous, Moïse n'a pas par nous, David n'a pas par nous, Daniel apnan en parle, Jérémie apnan en parle, Agi apnan en parle, Jacob apnan en parle, Abakuk apnan en parle, nous mêmes qui s'cap sauver, nous mêmes tout n'apnan en pas nous. Il y aura dans le royaume de Dieu des dirigeants et des dirigés. Dirigeants apnan en parle, dirigeants apnan en parle. Donc, la maison du Père, mes chers amis, n'est pas le ciel. En allez, ouais, dans Hébreux 3, verset 1 à 6,
ça qui t'a passé, ça qui dit dans la question de la maison du Père, ça, pour nous, est-ce que c'est l'église ou pas? On allait dans Hébreu, chapitre 3, le verset 1 à 6. Hébreu 3, verset 1 à 6. Si nous pouvons jeûner, moi, je ne sais pas. C'est pourquoi? Frère Saint, c'est apôtre Paul qui a parlé là. Nous-mêmes qui n'avons pas à la vocation céleste. Et vocation céleste, s'il vous plaît, pas appelé, dis-nous, appelez-vous dans le ciel. Non. Vous avez appelé à la vocation, vous avez pas à la vocation céleste. Eh, bon Dieu, relève-nous qui côté bon Dieu dans le ciel là, mais vocation céleste. Donc, bon Dieu, relève-nous, mais c'est pas pour dans le ciel. Considérez l'apôtre et le souverain sacrificateur. On considère l'apôtre et le souverain sacrificateur de la foi que nous professons. Qui est l'apôtre et le souverain sacrificateur? L'apôtre et le souverain sacrificateur ici, c'est Jésus-Christ. Qui ça le dit? Jésus-Christ. Qui a été fidèle. Il a été fidèle. Et qui l'a établi. À celui qui l'a établi. C'est bon Dieu qui établit Jésus. Jésus était fidèle avec bon Dieu. Comme le fut Moïse dans toute sa maison. Jésus était fidèle à ce qu'il a établi là, à savoir Christ. Il dit, Moïse, tout, Moïse était fidèle. Mais qui côté Moïse est fidèle? Moïse est fidèle dans toute la maison de Dieu. Si la maison de Dieu, c'est le ciel, mes amis, est-ce que Moïse est dans le ciel un jour? Moïse pas de jambe dans le ciel. Moïse a fait service sur la terre. Moïse a fait service. L'ancienne alliance, c'était Moïse qui était en gouvernance là. C'était Moïse qui a leadership là. Moïse travaille avec fidélité. C'est pourquoi le texte l'a dit, Moïse était fidèle dans toute la maison de Dieu. Donc la maison de Dieu ou la maison du Père n'est pas le ciel. Parce que la Bible dit Moïse était fidèle dans toute la maison de Dieu. Moïse travaille sur la terre. Donc la maison de Dieu n'est pas le ciel, mes chers amis. Il y a plusieurs domaines dans la maison de mon Père. La maison de mon Père n'est pas le ciel. Parce que Moïse était fidèle dans la maison du Père. Est-ce que c'était dans le ciel? Absolument pas. Il dit, car il a été jugé plus digne, d'autant, il a été jugé digne d'une gloire, à savoir Jésus-Christ, d'autant plus supérieure à celle de Moïse, que celui qui a construit une maison a plus d'honneur que la maison elle-même. Il dit, chaque maison est construite par quelqu'un, mais celui qui a construit toute chose, c'est Dieu. Pour Moïse, il a été fidèle dans toute la maison de Dieu, comme serviteur. Moïse t'a servi, Moïse était un serviteur. Il était fidèle dans toute maison, mon Dieu, a tant que serviteur. Qui ça dit après? Hébreu 3, verset 1 à 6. Moïse était fidèle dans toute la maison de Dieu comme serviteur pour rendre témoignage de ce qui devait être annoncé. Il dit, mais Christ l'est comme fils sur sa maison. Moïse était fidèle dans toute la maison de Dieu comme serviteur, mais Jésus lui-même était fidèle dans toute la maison de Dieu comme petit. Moïse pas fidèle comme petit, mais comme serviteur, mais Jésus lui-même était fidèle comme petit. Il dit, Paul dit, et sa maison, Paul pas dit c'est le ciel, Paul dit sa maison, c'est nous. Qui ça dit? Qui retenions jusqu'à la fin la ferme confiance et l'espérance dont nous glorifions. Amen. Amen. Moïse était fidèle dans toute la maison de Dieu comme serviteur. Christ l'est comme fils. Et sa maison, c'est nous. Donc la maison de Dieu n'est autre que les serviteurs de Dieu. Tout le monde qui a fait service, mon Dieu, tout petit, bon Dieu, c'est maison, bon Dieu. Sa maison, c'est nous. Quelque part, Paul dit, vous êtes le temple du Saint-Esprit. Hein? Nous, c'est caille, bon Dieu. C'est pas ciel qui caille, mon Dieu. Le ciel est mon trône, la terre, mon marche-pied. Le ciel n'est pas le trône, n'est pas la maison de Dieu. Le ciel, c'est le trône de Dieu. C'est côté, bon Dieu, Chita. Trône, c'est côté, roi, Chita. Dimanche, Dieu veut nous parler étudier le royaume de Dieu et les saints nous va parler de tout non encore. Amen sur ça. Donc, message, yon suive l'autre. En aller. Donc, l'éclair là, mes amis, la maison de Dieu, ce n'est pas le ciel. La maison de Dieu,
c'est nous qui avons fait service, bon Dieu. C'est l'église dans un sens spirituel. Donc, Israël t'a conduit par Moïse. Moïse t'es chef. Moïse t'a dirigé peuple, bon Dieu. Mais lorsque Christ va sur la terre, Christ est le chef. Tout. Moïse, ton chef visible, tout le monde te voit Moïse, tout le monde te cap touché le palavel, tandel. Il était chef. Même Jean-Christ, tout le gars pour venir, pour le chef dans la maison, c'est-à-dire dans le royaume. Christ sera physiquement sur la terre pour diriger. Nous allons ça dimanche, si Dieu veut, nous allons étudier le royaume de Dieu. Il y a une doctrine qui fait croire que, mes chers amis, Jésus-Christ pas tourner sous terre ça, la prête dans le ciel pour le diriger. Donc il nous dit Jésus aura un regard sur la terre, mais il ne sera pas sur la terre. Donc il nous a dit quoi que la terre devient un paradis, oui. La terre devient un paradis. Le royaume sera sur la terre, mais il même dit Jésus-Christ est dans le ciel, la Jésus pas sur la terre. Les religions dit Jésus-Christ aura un regard sur la terre. Ça, c'est une fausse doctrine tout simplement. Jésus-Christ sera sur la terre. Jésus-Christ n'aura pas un regard sur la terre. Il sera un chef visible à l'instar de Moïse sur la terre. Pour nous finir, mes chers amis, nous allons considérer de l'autre texte. Nous te montrons déjà l'église, lui-même son maison spirituelle. L'église, là, lui-même pour le conduire, pour le préparer, pour entrer dans le véritable royaume. L'église est la maison de Dieu dans un sens spirituel. Dans le sens que là, pour le préparer, pour le former, pour entrer dans le royaume de Dieu. L'église n'est pas à proprement parler le royaume, n'est pas à proprement parler la maison de Dieu ou le royaume de Dieu, mais l'église, ils sont canal, ils sont vestibules, ils sont véhicules qui conduisent vers le royaume que Jésus-Christ lui-même viendra établir sur la terre. On allait dans 1 Corinthiens 3, verset 9. On a pris deux textes pour nous clouer l'enseignement. 1 Corinthiens 3, le verset 9. 1 Corinthiens 3, le verset 9. Apôtre Paul dit avec Corinthiens, yo, c'est peut-être ça, car nous sommes ouvriers avec Dieu. C'est notre travail, la caille, c'est notre travail dans le champ, bon Dieu. Paul dit, nous sommes champ, bon Dieu. Vous êtes le champ de Dieu, vous êtes l'édifice de Dieu. Ça veut dire vous êtes l'édifice de Dieu. Vous êtes l'édifice de Dieu, vous êtes, vous êtes la maison de Dieu. C'est même bagarre la Paul j'ai dit avec Hébreu. Moïse a été fidèle dans toute la maison de Dieu comme serviteur, mais Christ l'est comme fils et sa maison c'est nous pourvu que nous retenions la ferme confiance dont nous nous glorifions. C'est ça Christ, c'est ça Paul dit avec Hébreu. Là dans 1 Corinthiens verset 3 et 9. Paul dit l'autre bagaille. Bon, Paul dit même bagaille dans l'autre expression. Il dit, quand nous sommes ouvriers avec Dieu, vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. L'édifice veut dire maison, construction. Donc, c'est la maison de Dieu. Nous, c'est l'église, mon Dieu. Nous, c'est maison, mon Dieu. L'église, c'est la maison de Dieu, indirectement, mais non pas directement. Donc, c'est dans un sens spirituel. Dernier texte à prendre, c'est Éphésiens 2. Verset 19 à 21. Éphésiens 2, c'est le dernier texte à prendre. Il y a plusieurs textes toujours, mais on choisit de rester là. Puisque tout texte exprime même bagaille. Verset 19 jusqu'à 21. Non, non. Éphésiens 2. Ainsi donc. Paul dit ainsi donc. Vous n'êtes plus des étrangers. Pour la parole avec Ephésiens, qui joint Christ, qui maintenant dans l'église du Nouveau Testament, qui c'est Olivier Sauvage là, qui maintenant entraînant Olivier Franc. Paul dit qu'il n'y a pas gain de service. Paul dit pas gain de peuple, qu'il y a son seul peuple. Nous-mêmes qui étions étrangers, nous pas étrangers encore. Paul dit ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens du dehors. Mais vous êtes concitoyens des saints. Vous êtes gens de la maison de Dieu. Est-ce que la maison de Dieu, c'est le ciel là? Non. Nous sommes petits, mon Dieu. Nous sommes moun la caille, mon Dieu. Dans l'église, mon Dieu. Dans la famille, mon Dieu. Quand nous avons accès à un service là, nous avons accès dans l'église, mon Dieu. Donc, ici, texte à Paul a montré que l'église de Dieu,
c'est donc la maison de Dieu, ce n'est pas le ciel. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon père, ça ne veut pas dire qu'il y a la caille papa. La caille papa ici n'est pas le ciel, la maison de Dieu ici, c'est l'autre bail, il veut dire. C'est le royaume de Dieu, c'est l'église de Dieu, c'est la nation d'Israël, etc. etc. Qui ça dit encore? Vous avez été édifié sur le fondement des apôtres et des prophètes. Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. En lui, c'est-à-dire en Jésus, tout l'édifice veut dire toute maison, toute construction, tout l'édifice, bien coronné, s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. Donc, nous sommes, mes chers amis, une habitation de Dieu en esprit, prêt à gouverner, à diriger dans le royaume de Dieu. Voilà, mes chers bien-aimés, mes chers amis, notre sujet, la maison du Père. La maison du Père, ce n'est pas le ciel. La maison du Père, c'est donc le royaume de Dieu. La maison du Père, c'est donc l'église dans un sens spirituel. La maison du Père, c'est donc la nation d'Israël sous la loi. La maison du Père, c'est donc le temple de Dieu à Jérusalem dans la conception juive. Que bon Dieu bénisse nous. Que bon Dieu prenne soin de nous. Que bon Dieu fortifie nous. Nous espérons que dimanche, si Dieu veut, nous va retourner ensemble pour étudier dans l'autre enseignement qui c'est le royaume de Dieu. Enseignement au lieu, nous d'accord. Maintenant, moi excusez-moi l'autre fois encore pour couper tes gagnants et me dégoûter pas avec qui te frise. Tandis que nous t'étendons, c'est après moi viens ouais message nous écrit que nous t'étendons, même là nous pas de ouais. Si nous dégagons les messages, là, on ne peut pas même couper. On se live, là, t'as toujours plus bon. Donc c'est bien tard, nous viens ouais ça. Maintenant, le temps pour nous recevoir des questions. Le temps pour nous faire des salutations, pour mettre thème avec enseignement. Et en aller, Frère Patrick Bonheur, je dis à vous pas en ligne, je dis en direct, dans la salle là. Et vous pouvez vérifier pour nous, qui bien aimé te saluer, nous, frères et sœurs, participants. Et qui est-ce qui est en ligne, qui est-ce qui pose des questions? Il y a un peu de monde qui était là, qui est allé, très certainement. Donc, après, vous êtes là, Innocent des zones, c'est Herbie Innocent depuis Chili, électé Brechant en premier. Vraiment, nous saluons, merci. Et puis pour un peu de monde, je vais parole mon Dieu, c'est une possibilité de faire un peu de temps. Ok, Jean-René, depuis qui est qui par exemple va brancher, et tout a posé nos grosses questions. Nous saluons Jean-René, je donne à tout le monde qui est ensemble avec Picap Swift. Nous saluons tout le monde qui est sûr. En termes de pasteur, avec vous. Donc, par une personne qui a pompé dans le ciel là, non, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon père, par exemple, depuis mon amour qui est dans le ciel. Quand il y a tout le monde qui comprend ça, ça veut dire demeure, ça signifie ses postes, ses fonctions, ses responsabilités n'a bien dans le royaume de Dieu. Nous sommes des autres, même c'est Esam Dapton, chapitre 14, Esam Dapton. Ah! Ça, c'est un peu le problème, avec plusieurs. Oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, nous ne pas bien comprendre rien. Merci, nous sommes des autres, parce que désormais, on comprend le texte là. Vous comprenez, il y a plusieurs demeures, que vous reconnaissez ce double point, je vais vous préparer une place. Vous comprenez parfaitement bien sa parole, ça veut dire désormais. Jésus-Christ dit l'aime, fille mourir, vous allez dans le ciel, l'aime tourner, ma vie prend nous, côté mia, et là, on a bien tout. Ah, mais qui côté Jésus est habillé? On a ça dimanche prochain, qui côté l'habillé? Mantelé, guillemets, là, sur la terre, dans le royaume de Dieu. En aller. Il y a quelques questions, on dit, vous n'avez pas encore long. Oh, il y a une question, vous t'as souvent toujours une question. Jean-Renel dit, il y a bloqué Gary, où est-ce que moi t'as dit, vous êtes Richard. Richard te pose une question par Richard encore. Oui. Salut, mademoiselle Mistel Séraphin. Mademoiselle Mistel Séraphin, Richard est là, Richard Blanc. Richard Blanc. Non, salut Blanc, il y a Richard est là. Ah. Où Jean-Renel dit, il y a bloqué, je ne comprends pas. Comprendre. Non, c'est la vérité que. Internet là? C'est ah, il va bloquer, bloquer. Non, de bloquer. Wislen toujours là, lui-même. Non, salut Wislen qui est toujours là, bonne chance avec nous. New Jersey. Depuis New Jersey. Non, salut tout le monde New Jersey qui est ensemble avec Wislen, qui a suivi nous. Merci. L'innocent des autres encore.
Je vous dis pas Gary, on fait un macaille, oui, bien un peu hypocrite, on est dans l'église, oui. Moi, on met un peu de faire attention. Merci beaucoup, Jean-Renel, Dieu donné pour vous conseiller. Hein? On a fait attention. Et nous, là, on a même bon Dieu. Calphus Nadorsis depuis le Brésil. Nous saluons mon ami. Pierre Sandra depuis le Chili. Nous saluons. À tout le monde qui est ensemble avec vous. Je vais vous poser une question. Comment maison Sion en fait, est-ce qu'elle est en pile chaise en or? Comment maison Sion en fait, est-ce qu'elle est en pile chaise en or? La maison de Sion fait référence au temple et à et aux enfants d'Israël, Jean-Renel Jilouni. Est-ce qu'elle est en pile chaise en or? Et bon, gens qui disent grand pile chaise en or, etc. Bah, bon, par contre, si c'est à la lumière du sage, on a dû lui poser des questions. Bon, et maison, ça n'a pas allé à Jean-Renel à cette époque. Maison était écrasée, maison pas existé encore. Maison, ça temple ça, il pas existé encore. Il y a une prophétie qui fait que temple ça pour construire. Il y a l'autre théologien qui dit temple pas pour construire encore tout. Donc, temple ça parlait, c'était le temple de Dieu à Jérusalem. Temple ça pas existé encore parce qu'il était écrasé en l'an 70. Maintenant, grand espace musulman, grand espace que les dômes du rocher que les musulmans ont construit et tout près templant, tout près espace templant dans position templant même dans même la cour, dans même terrain, les musulmans ont dômes du rocher occupé espace là. Donc et Jean-Renel templant n'est pas là encore templant écrasé. En avance. OK, Daphné, jeudi. Jeudi Daphné nous saluons depuis la République d'Haïti, notre nièce Daphné. Non, salut, et Mario et tout le monde qui est dans la zone ensemble avec vous. En aller, qui est-ce que vous venez encore? Oui, on fait ça déjà. Ok. Nous saluons depuis le Brésil. Nous saluons, bonjour béni. À tout le monde. Merci encore. On s'habitation déjà. Vous finissez? Sinon, pas dans le temps. Ok. N'a pas je pas dans la caisse, mais ouais. Moi, je dois. Albert, nous avons Alberto Compère. Nous saluons Alberto Compère. Bonjour béni tout. Alberto Compère, il a vu Chili parce qu'il pousse dans bel espagnol là. Il dit non, bonjour béni en espagnol. Merci Alberto. Nous saluons Zaki Badou Bonheur depuis le Brésil. Zaki Badou Bonheur là ensemble avec nous. Nous saluons Zaki Badou Bonheur. Nous saluons Betty Bonheur depuis Florida, principalement Miami. Nous saluons Betty Love. Miami. Depuis Miami, nous saluons. Faustin Innocent. Bon Dieu béni tout. Faustin Innocent, nous saluons depuis les États-Unis d'Amérique. Bon Dieu béni nous. Merci, merci pour tout soin nous. Et nous quoi nous saluons tout le monde. Net et tout l'autre monde non pas ouais tout ça qu'on rêve monde là mais non pas ouais de toute façon nous salue tout le monde c'est pour bon Dieu béni non prince mais non merci pour... ben et des bagages ça le dit les bon non directeur bonheur Jean Dali qualité bon travail ça qualité bon travail ça va faire pour avancer royaume bon Dieu. Merci beaucoup, Innocent des Andes. Merci beaucoup. Telusca Cario, nous saluons. Et Caio Brésil, je crois. Bon, vous m'avez trop tard, malheureusement. Jean-Renel dit, nous avons une question, Jean-Renel Jilouni, nous avons un problème avec ça. Mais ça, c'est que je dis, je voudrais comprendre vos mystères qui étaient cachés dans Jean. Dans Jean 14 là. Ah, ben, merci beaucoup, Innocent et Vie, parce que vous comprenez désormais. Ça veut dire qu'il y a plusieurs demeures dans la maison de mon père, je vais vous préparer une place. Lorsque je m'en suis allé, que je vous ai préparé une place, je reviendrai, je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous soyez ici. C'est clair que ça n'a rien à voir avec le ciel.
avec mon qui déjà monté dans le ciel, nous avons quelques bébés qui voyagent déjà dans le bras de Jésus. Ça va exister, pas une personne dans les bras de Jésus. Pas une personne qui est dans les bras de Jésus. Tout le monde qui mourut dans la tombe, il y a tant la résurrection. Selon qu'il y a sauvé, il n'y a pas de la première résurrection. Selon que le pape sauvé, il n'y a pas de la deuxième résurrection. La Bible dit, personne n'est monté au ciel. Nous avons sous ça dimanche, si Dieu veut. Que bon Dieu bénisse. Pierre-Richard Blanc, ça dit. Il dit, révélation Daniel, Jérémie, etc. Parce que moi, j'aime prêcher dans l'Israël. Ah, mais pour prêcher là-dedans, il faut comprendre. Pour ça, fidèle, moi, j'aime connaître ça qui passe dans l'Israël. Parce que pas qu'à là-dedans, parce que pas capable. Il faut pas qu'on se jette pour ça, pour capturer la révélation. Ah non! nous avons un sujet tout pour parler de Pierre-Richard Blanc. Et le sujet, ça nous est les quatre cavaliers de l'Apocalypse. Ça lui fait partie de l'ouverture des sceaux. Ça, les quatre premiers sceaux, Pierre-Richard Blanc. Nous avons un sujet. Autant marqué. Nous avons un sujet. Donc, en gros, c'est ça, mes chers amis. Merci pour la participation. Non? Et allez en paix. Bonne semaine. Prenez soin de nous-mêmes. Pas oublier que le coronavirus a existé. Faites prudence. Lavez maintenant, nous avons qu'il est pour nous mettre maintenant dans les yeux, dans la bouche, dans les nous avons ça pour nous faire bien. Prenez-y nous tous, haïtien nous y est, pas bien t'y faire, très important pour protéger. Merci beaucoup à tout le monde, bonne semaine, que bon Dieu bénisse nous, à dimanche si Dieu veut.